Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, unboxing partenariat donc de la boutique, je crois que c'est One Day Saving. On va vérifier ensemble. Du coup, ça a été expédié, commandé et expédié le 14 juillet et je l'ai reçu aujourd'hui, samedi 24 juillet. Donc ça a mis 10 jours exactement, donc très rapide. Donc on va découvrir ensemble ce que j'ai choisi. Donc j'ai choisi une toile et un petite chose. Donc on va commencer par la petite chose. Donc ça faisait longtemps, j'en avais fait, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. Donc je me suis dit, allez hop, celui-ci il est beau. Et donc c'est un marque-page. Donc le voici. Un beau marque-page dans les tons violets. Hein. Voilà. Donc derrière ça fait façon cuir. Alors tout dans la... c'est un mandala dans les tons violets. Et il a un petit pompon bleu. Voilà, donc il y a un toolkit de base, barquette verte, pain de cire et stylet rose. Et il y a des petits diamants spéciaux. Alors, si j'arrive à ouvrir. Hop. Ah, pas évident. Alors, il y a des belles petites gouttes nacrées rouges. Il y a des mini gouttes bleu foncé. Il y a des petites gouttes bleu clair. Ça, on pourra le faire ensemble. Hein. Ensuite, il y a des mini gouttes violettes. Ça, j'en ai jamais posé. Il paraît que c'est galère, on verra bien. Des petites des diamants AB, donc avec une surbrillance blanc, des strass bleu turquoise, des strass violette et des strass violette foncé. Voilà. Et en fait, il est intégralement à diamanter. Et ça j'aime bien quand il y a énormément de choses à diamanter. Donc voilà. Donc ce petit marque-page, il coûte 2,82€ sur le site de One Day Saving. Voilà. Donc c'est un nouveau site, hein. J'en ai jamais entendu parler. Donc j'espère vous faire découvrir un superbe site. Il est très facile d'accès. On trouve tout de suite ce qu'on veut. Il n'est pas très cher. C'est super. Donc. Hop. Donc 2,82€ le petit marque-page. Donc on va passer à la toile. Donc, très très bien emballée. Et comme vous pouvez le voir, il y a deux. Deux papiers bulles. Hop. On met de côté. Donc, le toolkit. Le toolkit, j'ai envie de dire, pour ces toiles-là, parce que c'est une 40 par 50. Il est à peu près le même, ça veut dire une barquette avec un petit bec verseur blanche, deux gros pains de colle, un multiplaceur de 10, un stylet transparent avec un embout de 4 et une petite mousse et une petite pince droite en métal. Voilà, donc les diamants on verra après. Donc la toile, vous voyez, elle est enroulée autour d'un petit bout d'un mousse et aller avec un plastique.
Excusez-moi si je passe devant la caméra. Alors, et un petit scotch. Hop. Donc, elle est un petit peu abîmée sur les bouts là, mais c'est pas grave, c'est le bord blanc. Donc, on va voir tout de suite. On est bien bien enroulé. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien. Elle n'est pas abîmée sur l'envers. Le petit boudin, il est là. Hein. Hop. Comme ça. Donc, je relève les bords. Alors vous voyez, là par contre, si je laisse les plis, il va y avoir des rivières à force. Donc il va falloir que je l'enlève pour la remettre. Donc je relève les coins, pour ceux qui ne savent pas, c'est je relève un petit peu les coins et je remets. Et comme ça, ça l'aide à s'aplatir. Donc, je vais faire dans ce sens-là, vous montrer le visuel. Donc c'est une 40 par 50. Et vous l'avez deviné. C'est un tigre. Voilà. Qui marche à travers du feuillage, des bambous. Voilà. Je l'ai trouvé trop beau. Je vous fais décoller un petit peu. Voilà. Et alors, il est pas beau? Il est magnifique. Bon, je vous repose. Voilà, je vais remettre le papier. Mais avant, je vous montre les symboles. Alors, les symboles sont dans l'autre sens. Sont imprimés dans ce sens-là. Voilà. Alors, je vous ai pas dit, c'est des diamants carrés. Normalement, vous devez bien voir les symboles. Donc, voilà. Donc, je vais remettre à l'aide de ma petite raclette, je chasse bien l'air. La toile est en super état, il n'y a pas de rivière, il faut bien aplatir. Et là, je redécolle un petit peu ce côté-là. Hop, hop, hop. Et pareil. Allez. Voilà, donc de chaque côté, donc ici et ici, vous avez le tableau récapitulatif, donc la référence de la toile, la taille, et ensuite il y a le nombre de couleurs, donc là il y en a 35, les symboles, la DMC. Et le nombre que vous devez avoir de diamants pour chaque référence pour effectuer la toile. Donc, par exemple, la référence 823, il me faut 38 diamants pour réaliser la toile. Voilà. Donc, en parlant des diamants. Donc, en fait, pour vous, les symboles sont dans ce sens, mais l'image, elle est comme ça. Voilà. C'est pas grave, hein, c'est de plus en plus, hein, c'est dans tous les sites maintenant. Donc les diamants, ce sont des diamants carrés. Et ils sont en sachet zippé. Donc par exemple,
310. J'ai un gros sachet quand même. Donc je peux vous montrer les carrés. Voilà, donc ils brillent très bien. Ils n'ont pas l'air d'avoir de déchets après avoir à la pose, hein, évidemment. Donc, je vous montre ici, c'est le numéro de la couleur par rapport au tableau. Ici, c'est la référence DMC, donc c'est le numéro de la couleur, donc 310. 310, c'est toujours noir. Et à côté, vous avez un nombre. Et en fait, ce nombre, c'est le nombre de diamants qui se trouvent dans le sachet. Donc, par exemple, je vous garde ici, là. Donc, il en faut 5480 pour effectuer la toile. Et là, j'en ai 6192. Donc, là, j'en ai largement assez. Après, on ne peut pas vérifier. Hein. Eux, c'est au poids. Donc, là, j'en ai largement assez. Donc, ce qu'on peut vérifier, c'est s'il y a toutes les couleurs et les bonnes DMC. Donc, on va tenter de les remettre dans l'ordre, puisqu'ils ne sont pas mis dans l'ordre. Alors, déjà, si j'arrive à trouver le numéro 1. Donc, 5, 12, 8, 9, 19, 11. Alors, il est où ce petit numéro 1? Donc, ça, c'est le 3. 3, 4, 2. 2, 3, 4. Ah, il est là. Donc le numéro 1, 154, 154. Donc c'est bon. Donc déjà, le bon numéro 1. Numéro 2, 165. Est-ce que c'est bien le 165? Oui, c'est bon. Numéro 3, le numéro 300. Bon, vous voyez, ainsi de suite. 4, 310. Le 5. 371, le 6, 420, le 7, il y en a un qui est à l'envers, il est où le 7? 7, 435, 8, 469, 9, 524, alors, 10, 581, 11, 642, 12, 677, 13, 726, c'est bon, 14, 730, j'ai un cheveu là qui traîne, alors ensuite, 15, 780, 16, 16, 801, 17, 823, 18, 829, 19, vous me voyez, 833, 20, 839, 21, 890, 22, 907, 23, 936, 24, 937, 25, 938, 26, 939, 27, 976, 28, 977, 29, 3031, 30, 33, 46, 31, 33, 71, 32, 33, 37, 70, 33, 38, 19,
34, 38, 62 et 35, 38, 64. Donc j'ai le bon nombre de couleurs et j'ai les bonnes couleurs. Voilà. Donc c'est un camaïeu de vert et de marron. Voilà. Donc je sens que je vais me régaler. Donc je peux vous montrer les carrés sur une couleur claire. Voilà. Donc, cette belle toile en 40 par 50, franchement, c'est pas cher. 9,99€. Franchement, 9,99€, une 40 par 50. Franchement, super. Moi, je trouve super les prix. Même le marque-page, hein, 2,82€, c'est pas cher du tout. Hein. Voilà. Sur ce, si j'ai un code promo, je vous le mettrai en barre de description. De toute façon, je vous mets le lien du site et je vous mets le lien des deux produits que je viens de vous présenter en barre de description. Voilà. Après, si je peux avoir un code promo, je vous le mets également en dessous. Il me demande de publier assez rapidement, donc je vais mettre en plus de mes vidéos habituelles. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde !